Hey, salut à tous, c'est FTMoza. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est un vidéo gameplay, enfin partie privée, donc c'est un petit TS on va dire. Enfin plus ou moins, parce qu'on était en 3v4, c'est vraiment pour le fun. C'était contre la team Afun Prestige, pour certains vous le connaissez déjà. Je l'ai présenté sur ma chaîne. J'avais présenté sa chaîne sur l'une de mes vidéos il y a un petit moment déjà sur Ghost. Donc ça date. Et il était dans mon clan à l'époque. Il était dans mon clan et il l'avait quitté parce qu'on jouait pas assez avec lui. Parce que on jouait surtout qu'à code et pas de jeu dans le clan. Et du coup alors, je lui ai proposé un petit TS contre sa team vu qu'il jouait en ligue à ce moment-là. En ligue, pardon. Et il était genre 3-4 heures du mat, il y avait personne dans mon clan. Il y avait forcément moi, j'étais cool, il y avait Wither. C'était Wither et Sirka, il me semble. On était trois en fait dans le clan et on s'est dit, tiens, les gars, on va lancer un 3v4. Si ça vous dit, ok, d'accord. Et on peut voir que je suis un peu de la merde et que je suis en face, ça joue tir rapide, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour le fun. Et vous allez voir, ça va bien, plutôt bien se passer pour nous, même si on est. Si on était que 3. C'était aussi ma première partie de la soirée, parce que j'avais pas joué pendant 2-3 heures avant. Donc vous allez voir que au début de la game. Je le joue pas mal, je suis un peu de la merde, mais bon. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est un petit gameplay sympa que je vous présente, un petit 3v4. Retraite stratégique. Vous avez pas d'armes chez en face, ils ont compris les règles. Ils jouent qu'à la CM1 de base, c'était plutôt cool. Parce qu'il y en a certains qui savent pas jouer en TS et qui se croient en ligue et qui prennent des pseudos et tout. Enfin, bref, c'était plutôt sympa. Sinon je voulais m'excuser parce qu'en ce moment je fais plus beaucoup de vidéos, même quasiment plus, je sais plus vraiment quoi faire. Le multi me saoule d'Advance Warfare, même la ligue. Je suis H24 en ligue et je me prends que... Enfin, comme vous savez j'ai 0,5 mégas et je me prends des bullshit en temps normal. Mais en plus de ça, quand je me prends des bullshit par des armes qui ont plus de cadence, plus de dégâts ou plus je sais pas quoi, des caractéristiques de merde qui font bien rager, bah ça saoule. Ça saoule plutôt bien donc du coup je perds un peu la motivation de faire des vidéos parce que j'ai déjà joué pur multijoueur, donc je suis plus de DNA, pour pas vous mentir, depuis le 9 janvier j'en ai pas fait une seule. J'en ai fait pas mal au début du jeu parce qu'il y avait des vraies armes, des armes du jeu et c'était plutôt facile à en faire, c'était plutôt sympa, c'était sympa, on se prenait pas la tête, tu faisais tuer une fois en série, tu disais ah merde. Et maintenant c'est tu te fais tuer en série de 25, tu regardes Obsidian. Quand c'est pas autre chose, bien entendu, quand c'est pas Speakeasy ou Insanity. En ce moment, on voit beaucoup Insanity, Insanity, Obsidian, Inferno, normal, et la chicanerie. Voilà, en ce moment, je veux que la chicanerie. Enfin, bref, la mini en ce moment a fait trop mal. Bon, je suis en série de 16, grâce au drone d'assaut. Franchement, le drone d'assaut sur cette game, d'habitude, je le lance, je l'envoie, normal. Et il se détruit en fait, il tire et il s'expose lui-même, enfin il est pas très très doué de droit d'assaut. J'ai failli attaquer un allié le pauvre. Enfin, bref, vous voulez lire d'autres. Donc voilà, je suis vraiment désolé si je fais plus beaucoup de vidéos. Il y a New York Obsidian, d'ailleurs si il regarde cette vidéo, petite dédicace à lui. Il m'a prêté les DLC. Et ce soir là justement où je fais ce gameplay, on aurait dû enregistrer la vidéo zombie. Parce que je prévois de faire un live, le secret du zombie totalement en live. Donc une vidéo qui va certainement durer plus d'une heure. Et vous proposer bientôt. Donc c'est grâce à New York Obsidian, donc un membre de mon clan. Je pourrais la faire du coup. Et je lui en remercie. On devrait l'enregistrer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est vendredi 20 mars. Enfin, j'ai bientôt 18 ans, fais chier. Mais bon, c'est grâce à lui que je pourrais enregistrer cette vidéo là et j'aurais dû l'upload. Du coup j'espère que vous verrez cette vidéo là samedi, donc demain, si tout va bien pour l'upload. Vous auriez dû la voir, le vidéo justement zombie, le secret du zombie à cette place là. Mais comme ils m'ont bien fait chier, Fun Prestige et Petit Mikado, parce que c'est avec eux que je vais la faire. Comme ils m'ont bien fait chier, ils ont voulu faire des petits braquages pour avoir de l'argent sur GTA V. Ils m'ont bien fiché pour ça et du coup je leur ai dit écoutez les gars, je suis surtout menacé Prestige. Ce petit Mikado lui ça m'enchante plutôt bien de voir ce petit gameplay. Ce petit gameplay sur Prestige, le pauvre. Parce qu'il avait bien ragé après, il avait quitté la partie et tout. Enfin bref, je vais pas trop en dire. Et du coup c'est.
Du coup, vous verrez cette vidéo-là, du coup, à la place de du secret du zombie, quoi, tout simplement. Et je sais pas si ça vous intéresse vraiment les gameplay en TS ou en 2DC ou. Je sais pas si ça vous intéresse, en tout cas c'est le premier gameplay compétitif que je mets. J'en ai vraiment plein d'autres, j'ai plein de nucléaires, J'ai quelques nucléaires en ligue et en TS, bien sûr sans arme cheatée en ligue. Hein. Je respecte, pas comme certains qui jouent en ligue, hein, et même des Français, même des gens qui sont joueurs compétitifs, joueurs pro, semi-pro, qui jouent avec des armes cheatées. Bah, ça m'énerve beaucoup en ce moment. Et donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Là on peut voir que mon drone fait un gros massacre et là je vais faire un peu de la merde. Déjà je le rate et lui je lui mets un petit turn de. Je sais pas comment il a fait pour pas me tuer. Et là je rush le spawn comme un con. C'est le drone Fun Prestige. Fun Prestige, c'est lui qui a mieux géré de sa partie. Enfin il y a aussi l'autre qui est au-dessus avec des. Qui jouait les points. Mais bon là vous allez voir la quad fit du drone d'assaut. C'est vraiment trop utilisé ce truc. Hein. C'est bien mais. Ah, c'est cheaté. Quand il se petite pas, franchement. Tu peux pas esquiver. Il est. T'as beau être en l'air, il te touche, t'as beau être. Je sais pas, il devrait être moins précis, moins. Bon voilà quoi. S'il toucherait qu'au sol, déjà ce serait pas mal. S'il y aurait vraiment une d'esquiver là, il y en a aucun. Juste indétectable ou d'envoyer une. Voilà, voilà. Mais bon. C'est vrai que ça m'a pas mal aidé. C'était trop facile un peu. On était en 3v4, mais c'était trop facile. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce gameplay compétitif vous plaît plus ou moins. Vous me dites si ça vous intéresse d'en voir d'autres, de vidéos gameplay sur les TS ou sur les ODC. Si ça vous intéresse, vous me dites. Parce que c'est vrai que j'en fais pas beaucoup, me demande pourquoi. Je sais pas si ça vous intéresse en fait. Donc, du coup, je sais pas si je dois en mettre ou pas. Voilà. Là on peut voir qu'on les gère un petit peu, 240 à 39. Là il m'a même pas vu mais je sais pas ce qu'il fait dans la partie, je vois tir rapide et tout. Là, c'était Circa qui a arrêté à 249 parce que j'étais en 50 bombes là à l'heure actuelle il me semble. Je me suis dit tiens si je mets un 60-70 et là je vais faire le coup bientôt, ouais, vous allez voir. Il reste un point à marquer et comme dans mon habitude je slay dans le point. Donc je sors le gars et je marque le dernier point en compte parce que comme je me rappelais plus qu'il y avait un point à marquer. Et voilà, on leur a mis 250-49 en 3v4. C'est plutôt pas mal, sans tir rapide nous de l'autre côté. Et on peut voir que je finis en 58-8 il me semble, un truc du genre. Et je voulais faire minimum 60 bombes et voilà, j'ai pas réussi. Donc en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve j'espère lundi pour... le secret du zombie. Et dites-moi dans les commentaires si la gameplay compétitive vous plaît. Sinon, je peux vous en présenter vraiment, vraiment beaucoup autant que vous en voulez. Donc voilà, on se dit à très vite, à très bientôt. Allez, ciao.